Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cosmétanie. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier que j'ai reçue de la part de... On chausse les lunettes, hein. Eh oui, il ne faut pas vieillir. Hein. De Patty Scrap 17. Voilà, voilà. Donc, il m'a fait un joli petit courrier. Je ne sais pas si c'est ta participation au concours ou si c'est juste... Pour les plaisirs, ma petite Patty, puisque je sais qu'on s'envoie des petites choses comme ça de temps en temps. Dans tous les cas, si tu ne participes pas au concours, je prendrai ton envoi comme participation. Parce que voilà, c'est arrivé pendant les participations. Donc voilà, si tu n'as pas l'intention de faire autre chose, je considérerais que c'est une participation. Donc, Patty, elle m'a fait une petite ATG. Regardez si c'est trop mignon. Un petit pimpin avec des fleurs de pissenlit et un petit papillon. Toujours dans les couleurs pastel. Elle a fait de la... Je pense que c'est toi qui as fait le fond de carte en patouille, non? Tu me diras si c'est toi qui as fait la patouille en fond de carte. En tout cas, c'est vraiment très joli. Regardez ça. Très, très joli. Donc, le thème, c'est Petit Lapin. Elle a été faite le 12 mars 21. Ses couleurs préférées, c'est le rose et le blanc. Et elle aime le shabby et le vintage. Et c'est l'ATG 1 sur 1. Encore une fois, un exemplaire unique. Merci beaucoup. Il y a une très jolie carte. Ah, j'adore. Vous avez bien ciblé mes goûts parce que c'est tout ce que j'aime. Le rose, le blanc, le pastel, le shabby, le vintage, tout ça c'est ce que j'adore. Coucou Annie, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, on se remet doucement. Tu as une nouvelle adresse mail, eh bien j'en prends note ma petite Patty. Et puis moi aussi, ben, je t'embrasse très fort. Regardez si c'est beau. Le petit nœud avec la petite fleur en résine. Le nœud, c'est une découpe en BC, une découpe en 3D. Avec la petite image. La carte a été toute découpée au dice, mais c'est magnifique. J'aime beaucoup. Le papier aussi est très, très beau. Et un petit sentiment instant magique. Ça, c'est magique, c'est sûr. Et j'ai également, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, dis-moi, tu me diras en commentaire parce que je ne me rappelle plus. C'est Patty Scrap 17, elle aime le shabby, le vintage, sa raquette, Tilda, les couleurs pastel, les dentelles, les papillons, les oursons. Ben, je vois que nous avons beaucoup de goûts en commun. Tu es de Charente-Maritime. Eh bien, figure-toi que j'ai habité 25 ans à Charente-Maritime. J'étais sur l'île d'Oléron et mon mari a toute sa famille encore là-bas, du côté de Tonnet-Charente et de Brisembourg. Je ne pense pas que tu connaisses, mais c'est dans le triangle Sainte, Cognac, Royan, tu vois. Alors, peut-être que ben, ce n'est pas très loin, tu me diras, si c'est dans le secteur. Et puis, ben, écoute, si un jour on descend voir beau-papa, je te ferai signe de fois qu'on puisse se rencontrer, se faire un petit coucou vite fait. Ça me ferait très plaisir de te rencontrer. Donc, je suis bavarde. Je suis tellement contente. Donc, elle a mis de la petite dentelle autour d'un... Voilà, encore l'émotion, je perds mes mots. D'un œillet, voilà. Avec un petit nœud et une petite perle. Très joli. Un petit love. Une dentelle avec une demi-perle. Une petite rose en résine également. Et une jolie... Ben, de fleurs en tulle que tu as fait toi-même. C'est un très joli fond de papier. Très, très joli. Moi aussi, le rosé blanc, j'adore. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, Patty. Donc, comme je te dis, si tu n'envoies pas de participation au concours, je considérerais que c'est ta participation. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas dans les...
dans les participants, puisque tu m'as fait un envoi. C'est arrivé, voilà. Si tu veux m'envoyer autre chose, il n'y a pas de problème. J'adore tout ce que tu me fais. Donc, je te note, Fatih. En numéro 5. Voilà. Je cache toujours le nom de Sylvie pour ne pas dévoiler. Voilà. Fatih Scrap 17, numéro 5. Tu notes bien. De toute façon, moi, c'est noté sur la feuille, sur l'enveloppe. Surtout. Le numéro 5. Eh bien, voilà. Mais n'hésite pas si tu veux envoyer autre chose. J'adore recevoir des courriers de votre part. C'est tellement Noël tous les jours. Voilà. Je suis contente. Eh bien, je vous fais de gros bisous à tous. Merci à tout le monde. Et merci à toi, Fatih. Gros bisous.